Oui, Prune, qu'est-ce qui se passe? On fait un pique-nique aujourd'hui dans le jardin avec Pierre, Lucie, Jessica et... Mario. Tout le monde apporte quelque chose. Pierre, les boissons. Lucie, les fruits. Jessica, le pain et les jeux. Et Mario, les gâteaux. C'est ça, et nous, on sait pas quoi faire. Alors voyons, on va récapituler calmement, d'accord? Il y a de quoi boire, des fruits et des gâteaux pour le dessert et des jeux pour s'amuser. En fait, il manque le plat principal. Que diriez-vous d'une délicieuse salade de riz? Ah oui, j'adore ça! Oui, c'est une bonne idée. Et si on la préparait tout de suite? Hourra! Ouais! Pour faire une belle salade de riz, il nous faut 400 g de riz, 3 tomates bien mûres, un gros poivron vert, une poignée de petites olives noires, 5 œufs, une petite boîte de maïs en grains, une boîte de thon à l'huile, une boîte d'anchois, de l'huile d'olive, du vinaigre de vin, de la moutarde, du sel et du poivre. Tout y est, on peut commencer. Bob, tu peux remplir aux 3/4 la cocotte d'eau, s'il te plaît? Oui, chef. Merci beaucoup. On va la mettre tout de suite à chauffer. Et en attendant que l'eau boue, on épluche le poivron. Je préfère m'en occuper à cause du couteau. Et moi, je lave les tomates. Je peux? Excellente idée. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Eh bien là, je vais enlever la queue du poivron, qu'on appelle... le pédoncule. Bravo. Ensuite, je le coupe en deux. Voilà. Maintenant, tu peux retirer tous les petits grains avec cette cuillère. Et si tu veux, quand tu auras fini, tu couperas les deux morceaux en gros dés avec ton couteau en plastique. Oh. Je peux couper les tomates maintenant? Non, pas tout de suite. J'ai un autre travail pour toi. Que dirais-tu de saler l'eau et d'y jeter le riz? Moi aussi, je viens! D'abord, on verse une cuillère à café de sel dans l'eau. Et on jette le riz en pluie petit à petit. Comme ça. Ensuite, on mélange avec une cuillère en bois et on laisse cuire 8 minutes à gros bouillon. Oh, ça va, la taille de ces morceaux? Ils sont parfaits. Tu peux les réserver. Ça veut dire quoi, réserver? Les mettre de côté dans un bol ou une assiette. Bon, je peux casser les œufs, Michel? Oh, non, 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 Bob. Aujourd'hui, on va les faire cuire dans leur coquille. D'ailleurs, dès que le minuteur sonnera, tu pourras les plonger délicatement dans l'eau du riz. Et on les laissera cuire 10 minutes. En attendant, je fais quoi alors? Quand j'aurai coupé les tomates en quartier, tu pourras les réserver dans une assiette. C'est pas drôle, à chaque fois c'est pareil, je fais la même chose que Prune. C'est comme ça que les petits apprennent. Oh, en regardant les grands. Tu peux aller mettre les œufs dans l'eau du riz si tu veux. C'est comme si c'était fait, chef. Oh. Plouf, plouf, ce sera toi qui plongeras. Bob, non, arrête. Oh. Tu ne peux pas jeter les œufs comme ça dans l'eau bouillante. Ça risque de t'éclabousser et de te brûler. Comment je fais alors? Tu sais, toi? Oui, je vais te montrer. Bonne technique, Prune. Comme ça, aucun risque. Bob, écoute, mon grand. Tu vas aller ouvrir la boîte de maïs au-dessus de l'évier. Tu n'as qu'à tirer la languette et verser les grains dans la passoire, les rincer à l'eau froide, et quand ils seront bien égouttés, tu les mettras dans un bol et tu me les apporteras. À vos ordres, mon capitaine. Est-ce que je peux préparer la vinaigrette, Michel? Si tu veux. D'abord, je mets une grande cuillère à soupe de moutarde forte dans le saladier. Puis, j'ajoute une cuillère à soupe de vinaigre, une cuillère à café de sel, un peu de poivre, et je mélange avec le fouet. Félicitations, Prune. C'est parfait. Maintenant, tu ouvres les boîtes d'anchois et de thon, et tu verses l'huile dans le saladier. Tu rajoutes 4 cuillères à soupe d'huile et tu remélanges avec le fouet. Et voilà, la vinaigrette est prête. Le riz et les œufs sont prêts aussi.
Une chose importante, il faut rincer le riz sous l'eau tiède pour que tout l'amidon s'en aille. Et après, on le laisse égoutter. Pour les œufs, j'ai un petit secret. Il faut les mettre à refroidir dans de l'eau bien froide. Ça permet de les écaler plus facilement. Vous savez ce que ça veut dire, écaler? Ça signifie enlever la coquille. Oh, tu veux dire la déshabiller? Bien. On va remplir le saladier maintenant. Prune, tu commences par le riz, s'il te plaît. Bob, tu mets les olives. Prune, le maïs. Bob, les trois quarts des poivrons. Prune, les quartiers de tomates. Et Bob, pour finir, le thon. Vous pouvez mélanger. Avec les cuillères à salade, c'est mieux. C'est moi qui le fais. Pendant ce temps, je vais couper les œufs en quatre. Oh non, on a oublié de mettre les anchois. Pas de panique, c'est pour la décoration. D'ailleurs, à toi l'honneur. Prune, tu essuieras les bords du saladier avec du papier absorbant. Tiens, je croyais que c'était pour le pique-nique. Avant de partir, est-ce que tu peux me rappeler le petit secret, Bob? Il faut laisser refroidir les œufs dans l'eau bien froide pour les écaler plus facilement. Oui, c'est ça. Oh, vite, dépêchons-nous, les voilà. Ah! J'ai mis le saladier dans un torchon, ce sera plus facile à porter. Waouh, c'est super! Un, deux, trois. Merci beaucoup, Michel!